Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Arsenmat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite de Paper Mario The Origami King épisode 30, enfin. Première fois que nous irions aussi longue sur la chaîne. La dernière fois on avait sauvé tous ces Toads, au moins bien 41 Toads, hein, vu qu'il y a les 40 Toads troués plus le DJ. Et du coup, bah, faut continuer maintenant. Alors c'est extrêmement rageant de se dire... c'est exactement moi quand je sors dehors ça. Alors, par contre, ça quand même dire qu'on aurait pu accéder directement à la salle finale dès le début. Mais non, Serpentage jaune a décidé de le bloquer. Ouah, le soleil est de retour. Quel éclat! Enfin, l'impression de se trouver dans un vrai désert. Professeur, il y a un souci. Bon, ça, mais bien sûr, le soleil était la clé. Pêchons-nous, nous devons vite nous rendre à l'hôtel solaire. Bah oui, on a vu. Et oui. Alors déjà... Avant l'hôtel solaire, j'aimerais bien aller voir la ville des Sniffites, moi. Le Champibourg, là. Ou Sniffbourg, du coup. Alors. Putain, là. Elle nous attendait là, elle. Bien. Bien, bien, bien. Ah ouais, putain, ça fait trop bizarre de voir tout qui a changé comme ça. Tout qui change, là. Sauvegarde. Ah, mais est-ce que, du coup... Vu que les Sniffites vont se faire dégager, est-ce que le Sniffite rouge qui nous a arnaqué va enfin nous rembourser? Ah ah! Parlez. Cherche le confin, eux ils sont. Oui, bah je me doute. Tous les Sniffites ont été remplacés par des Toads jaunes en fait. Ça c'est plutôt sympa, ils ont accepté de partager la ville. Ah bah voilà, bah ça va. Un coup en bas, un coup en haut. Putain. Ah ah, et du coup maintenant on peut aller là. Magnifique. C'est un café. Eh bé. Tu vois, parce qu'ils sont partis au recyclage. On partait au recyclage. Mais moi en fait je me demande. Est-ce que, je veux dire d'un point de vue programmation. Est-ce que cet endroit, c'est genre exactement le même que le précédent, mais avec du coup, selon un certain trigger, des différentes textures? Ou est-ce que c'est carrément deux fichiers séparés? Parce que si c'est deux fichiers séparés, est-ce que du coup, si on utilise dans le désert de nuit un cheat pour passer quand même par ici, est-ce que du coup, le café, si on le rebouche, il fait quelque chose? Enfin, qu'est-ce qui se passe du coup? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça crache le jeu? Bref. Ah ah! On avait un musicien! Buenos días! Que puis-je te servir, amigo? Oh ben, un sombrero, s'il te plaît. Merci. Buenos días, amigo! Ici, c'est le café des chanteurs. Aime se le trouver, siloter un café en poussant une chansonnette. Viens, viens faire la fête avec nous. Et on a déjà fait une fiesta des Consalba la dernière fois. La ptouille. Le dinosaure. Putain, c'est trop bien. Putain, c'est génial. C'est tout bien avec nous. C'est trop bien. Putain, c'est trop bien. On peut pas leur parler, je suppose. Ouais. Oh non! Oh putain, j'ai interrompu leur musique, c'est si horrible. Oh là là. Putain, en vrai, je me sens trop mal. Oh là là. Non, en vrai, j'aime bien ces petits cafés. Je trouve ça vraiment sympa. C'est comme les bancs, sauf que ça coûte 100 pièces. Enfin, ça me fait rire, donc j'aime bien. Tout ce qui me fait rire, j'aime bien. T'es féquisté. Alors, est-ce que t'as du nouveau, toi? T'as que dalle, mec. T'es toujours aussi... Ah, t'as toujours autant de la merde. Bien.
Se gardons donc ici. Putain, vraiment tout, les trois quarts des Sniffits ont été remplacés par des Toads. Oh, c'est trop mignon, voilà. Attends, on fait chez Piami. On fait Ami. Magnifique, 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 magnifique. Et ça ne m'explique toujours pas comment je fais pour monter là, moi. Ah, mais attendez. Non, ça me bloque. Nah. Alors. Du coup, ça a été changé. Alors, voyons voir. Tu crois, toi, c'était, c'était l'été vacant. Et regarde-moi toutes ces vieilles lampes qu'on a oubliées ici. Je suis sûr que je me fais un paquet de pièces avec tout ça. Donc, je voulais te donner ça. Ah, ah, tente de la lampe. Magnifique. Ah, c'était sympa, mais j'avais pas tant de stock que ça. Il est dans une boutique pour de bon. Sérieux? Non, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, c'était sympa. Bon, bah voilà. C'est tout. Bon, bah ok, hein. Bien. Bien. Ah, et du coup, là, maintenant, on a un escalier. Ah. Y aura-t-il un autre trésor? Ah, il y a un Toad là-haut, par contre. Il y a définitivement rien de passer là, non? Oh putain, le pauvre Toad. Salut. Salut. Il y a un truc qui cloche avec le bout de pelouse à côté, mais je suis trop fatigué pour chercher la commande. Pourquoi? Ah. Ah, c'est sûrement un moyen de passer, justement. Bah, non. Faut croire que non. Oui, non, mais on s'en fout, ça. Ou de pelouse à côté. Lequel? Celui-là alors peut-être. Je sais pas. Lequel? Il y en a plein des bouts de pelouse et puis quoi que je fasse sur cela, ça change rien. Bon bah. Bon bah tant pis. Rip le Toad qui est en haut, hein. Mais du coup, est-ce que maintenant, il y a moyen de monter là-haut? Non, bah non. Ah si, si. Voilà. Maintenant, on peut. Voilà. Magnifique. Je ne sais qu'il viendra me sauver, je faisais juste semblant. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors apparemment il y a un mini trésor. Donc la question c'est où? Où, comment, pourquoi, de quelle manière? Ah. C'est quoi ça? Ah. Magnifique, hein. Magnifique. Du coup, attends, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. En effet, si tu le dis. Ok. Je pense qu'on est bon, du coup, on va pouvoir partir. Alors, attendez 2 minutes. Ouais. On est à peu près à 10 minutes, là. Ok, bah, allons donc à l'hôtel du soleil. Reprenons donc notre bot mobile et partons. Ah, maintenant on a des Goombas, du coup. Ça nous a changé les ennemis, c'est trop bien. Mais par contre, du coup, le Captain Toad, il est où en fait? Ah, mais à tous les coups, il est sous le soleil des tropiques. Non, sous l'hôtel du soleil. Allons donc checker ça.
Ça en fait des trucs dans ce désert. Hein. Ouf. Exactement comme prévu. Alors je vais voir, l'hôtel s'est ouvert pour révéler une sorte de passage. Je vais peut-être enfin toucher au but et à la trace des anciens. Ah, je commence à comprendre, vous avez un convoi? Non, sans blague. Mais celui lui-même manquait à l'appel. Qui est de retour, la voie s'est enfin ouverte. Attendez un peu qu'il y ait une salle d'université. J'ai déjà la demande explosée pour mon cours magistral du deuxième semestre. Une fois de fier ce que raconte le professeur, mais je suis heureuse de le voir satisfait. Mais voilà, c'est grâce à vous que je dois cette réussite, sans nom d'un doute. Cette chambre aurait pu rester secrète à tout jamais si une paire amenée soleil. Bah non, parce qu'on a inventé les pelleteuses, et c'est pratique pour, creuser et découvrir ce genre de truc. C'est pas des pêcheurs de pénétrer dans cette chambre, gageant que de précieuses informations, ce Captain Todd nous attend. Ok, eh bien, on va d'abord sauvegarder. Voilà. Et allons donc voir. Mais encore. Ah. On n'avait pas ramené le soleil par hasard. Ah, il fait froid. Dites, est-ce que vous avez affreusement froid vous aussi? C'est curieux, non? Nous avons rétabli le soleil pourtant. La température aurait dû remonter. L'explication est simple, ma chère Olivia. Nous trouvons sous terre et les chaleurs des rayons solaires ne peuvent nous réchauffer. Donc, faut savoir, t'es scientifique ou t'es archéologue? Mais c'est vrai qu'il fait particulièrement froid. Bon, ça nous sert. Quelle est cette chose? Il s'en bat les couilles, lui, du froid. Ouf! Ah bah c'est... Ah bah oui, bah le Captain Todd, forcément, il a été cryogénisé en fait. Un énorme bloc de glace, professeur. Sans blague. Je crois que c'est à cause de lui qu'il fait si froid aussi, ici. Gardez-moi cette maîtrise précise de réfrigération qui est probablement... Mais putain. Mais pourquoi? Mais c'est la viande de Color Splash, ça, qui est en fond. T'as la référence. Par exemple, mais qu'est-ce qu'il y a... Mais c'est définitivement le Captain Todd. C'est poids rouge, cette cape. C'est impossible, nous sommes bel et bien en présence du légendaire Captain Todd. Absolument sortir de là plus vite. J'ai moins un milliard de questions à lui poser. Alors attends, parce qu'il y a un trésor. Captain Todd, il va attendre. Hein. Ah bah voilà, pouvoir d'esprit. Alors, disons que, comment dire, je m'en bats les couilles. Je veux juste le trésor. Du coup, ça va faire la viande cuite, c'est trop bien. C'est trop bien. Je veux juste le putain de trésor. Mère, pont, io, trésor... Mais 100% c'est le même modèle 3D de viande que dans Color Splash. Ils ont juste changé la texture pour que ce soit un peu, que ça ait l'air congelé quoi. Magie. Transformation. Waouh. Waouh, magie. Waouh. Parfait. Donc ton bloc de glace, il va pour faire long feu là. Hein. Littéralement, littéralement, il va pas faire long feu. Ah, il est tout rouge par contre. La viande, elle est cramée. Oh putain. Il ne bouge pas, j'espère qu'il est encore possible de le réanimer. Au moins 1000 ans qu'il est pris dans la glace, peut-être même 2000. Ouais. Est-ce que je devrais lui passer un deuxième coup de flamme? Non, c'est bon. Non, on n'en fait rien. De crainte de briser la chaîne du froid. Putain. Il est vivant, et par miracle. Il ne parle qu'une version avec légère accent de notre langue actuelle. Permettez-moi de présenter Captain Todd pour vous servir. Des siècles durant, j'ai sommeillé dans ce carcan de glace. Et voilà qu'aujourd'hui, ma liberté m'est rendue. Viens lui, les amis, le légendaire Captain Todd. C'est un rêve qui se réalise, j'ai rencontré un ancien véritable. Très bien, vraiment, la recherche n'attend pas. Une question qui me taraude depuis que j'ai commencé ici. Oh mon dieu, je crains le pire. Un joueur historique, j'ai la chance de pouvoir poser un témoin direct de cette époque. Comme Ted Todd, si je puis me permettre, je sens que c'est une question débile. Ça fait longtemps, très longtemps que nous étudions votre civilisation si riche d'enseignements. Cependant, il y a une question qu'aucun d'entre nous n'est parvenu à trancher. Votre café, vous le prenez comment? Voilà, exactement. Avec trois sucres. Trois sucres? Je n'ai même pas qu'il était possible d'en mettre autant. Putain. L'application est parfaitement vertigineuse.
Vous allez voir qu'après ça, il va nous dire qu'il arrivait même à y ajouter du lait. Du lait, Mario. Oh putain. Quoi qu'il en soit, c'est une conclusion magistrale, elle met des signes de recherche. Trois sucres, je n'en reviens toujours pas. C'est grâce à toutes ces calories que vous avez dû hiberner. Ouais, c'est ça. Oh, après tout ça, j'ai failli oublier qu'on avait une autre question plus importante à vous poser. De traverser la vaste mer à la recherche du serpentin qui... Oh, mais je vous embête. Alors, vous venez toujours de vous réveiller. On a besoin de votre 4 parraines, voilà. Ah. La guerre de marine, dis-tu? Oui, j'en ai souvenir. Ainsi que la vaste mer et de son lot d'aventures. Ça reste de souvenir sans valeureux vaisseau. Et mon plus fidèle compagnon... Bah, justement, il est au musée Champy, ton vaisseau. Ouais, mon Marino, l'unique consolation de mes vieux jours, me sera-t-il rendu? Le Marino, vous dites, comme dans Super Marino? Eh bien, il est au musée, bien entendu. Ainsi, mon fougueux Marino est-il exhibé dans un musée? Là, n'est aucunement sa place. Merci pour ton aide, étrange individu. Je sais que faire, à présent. Bah non, tu sais pas, tu sais même pas où il est, le musée Champy. Bon, si tu veux. D'accord, mais du coup, il va me donner la carte ou non? J'ai sûr d'avoir compris ce qu'il vient de dire. C'est pas facile comme langue, l'ancien. Ouais, pardon de vous interrompre, mais il va falloir y aller. Voilà au moins 5 minutes que je n'ai pas fait de découvrir. Ah, quel logique majeur. Pardonnez-moi cette boutade, si en plus, tu meurs. C'est grâce à vous et merci à votre aide inestimable. Merci pour tout. Oh, bah de rien. Ah, oh, c'est plutôt à nous de vous remercier, professeur. Vous avez été d'une grande aide dans le désert. À présent, cap sur le serpentin suivant. Ah, je suis totalement d'accord avec toi, Mario. Serpentin violet sur la vaste mer. Mais c'est où la vaste mer? On devrait peut-être retourner à Toad's Hill avec un peu de chance. On retrouvera. Bah, oui, bah, on retrouvera surtout Captain Toad. Ah, du coup, 100% Toad sauvé. Du coup, ça compte comme un Toad à sauver. Ok, mais il est où le coffre? Enfin, le mini trésor. Peut-être sur ce bout de viande. Ah, mais attendez. Non, on peut pas. Ah, mais attends, il y en a un fermé là. Non. Ah bah voilà. Il y a un truc là, ça fait une forme de carré. Ah d'accord. Ok. Ah ah, statue du temple Champy. Magnifique. Et on a tous les blocs frappés, c'est trop bien. Ben voilà. Ah, et du coup, la musique, elle a changé. Mais c'est trop bien, ça. Le réalisme. Imaginez. Bien. Retournons donc à Toad's Hill. Ça tombe bien, il y a un warp juste là. Voilà. Quelle coïncidence, j'ai envie de dire. Hop. Oui, mais du coup, il vient avec nous. C'est vrai, si je vous attends ici, je me sens bien. Mais du coup, tu retournes quand à ton université, mec? Tu vas rester. Ah, mais à tous les coups, il reste avec nous pour toujours. Comme ça, si jamais on en a besoin pour déterrer des trucs, bah il est là. Ça doit être ça. Magnifique. Ah. Ah, je pensais que le Captain Toad sera dans le coin pour nous accueillir. Captain Toad, légendaire Captain Toad. Il se fait vraiment, vous savez, ce n'est qu'une... Bah non. Un pancarte interdit de monter à bord du Super Marino. Sa flagrant délit de violation de pancarte. Mon brésilien Marino, le compagnon de Jodès, le temps pour toi n'a pas d'emprise. Dominez bien, on parlait justement de vous. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchez, la carte parine? Un objet égaré parfois jamais, son souvenir s'efface comme la vague en mer se perd. Quant à la carte, je la possède. Et aidez-moi à rallier la vaste mer à mon bord, à bord de mon fidèle vaisseau, et je me remettrai en vos mains. Allez-moi, mais j'ai espionné par hasard votre conversation, je pense vous aider. Mais ouais, cet engin, hein. Oui, bah c'est bon. Un soir, sur un bateau, Deus Captain, une croisière mémorable s'annonce. Et mon exposition, alors, elle avait un succès fou, je peux quand même pas faire une exposition sans rien exposer. Ah, désolé, mec, mais pas le choix, désolé, mon gros, mais t'as pas trop le choix, gros.
Il va falloir que tu nous le cèdes. De toute façon, il est même pas à toi. Putain, ça parle quand même de cryogénisation dans Paper Mario. Pourquoi il y avait une Montimol? Pourquoi il y avait une taupe? Ok, tu devrais te parer. Si t'as envie qu'il en ait un peu plus dans le ventre, un de ces jours, t'as de motors et ça, et là, d'accord. Aussi, toute ma gratitude, ainsi que ceci. Ah, la carte marine. Magnifique. Formidable, avec ça, on va pouvoir embarquer à la mer à toutes les aventures, j'ai hâte. Bah moi aussi. Prendre que Captain Dunn n'est pas une légende, c'est complètement barge pour rester dans le domaine naval. Naval, pardon. Pourtant, les anciens textes ne laissent aucune place au doute de Super Mario. Vous appartient, capitaine. N'hésitez pas à revenir au musée, je me ferai un plaisir de vous offrir une visite guidée sur sa disponibilité. A bientôt. Manquera plus qu'un merci de lire les conditions générales d'utilisation. Le gars en compagnie de livre sur Captain Dunn est un honneur pour tout marin qui se respecte. Et puis transporter un sous-marin sur un bateau, c'est vraiment pas banal, c'est vrai, fallait y penser. En tout cas, nous sommes prêts à lever l'ancre. Eh bien, levons l'ancre. Purée. Putain, la tronche de Captain Ted. Oh là là. Attends, tiens. Voilà. Ah tiens, je t'ai pas encore aplati la gueule, toi. Voilà. C'est chose faite. Le temps qui passe jamais... Oh, ta gueule. À parler en poème là, putain. Alors, prêt? Bah oui. Magie. Putain. Oh là là. C'est trop bien. J'adore ce jeu. Vaste mer 2. Je sais, je suis un gamin. Waouh, la vaste mer est tellement vaste. Non. Ah bon? Et cette brise tellement marine. Sniff sniff, mais au fait, pourquoi cette odeur tellement salée? Parce que c'est la mer, en douille. Cette mer est si grande qu'il n'y a pas de mots pour la décrire. À part peut-être vastissime. Putain, il est simplement vaste, maintenant que j'y pense. Génie. Hop. Regarde le serpentin violet, qu'est-ce qui fait si loin ici, au milieu de la vaste mer? Bonne question. Drôlement long serpentin, il semble aller super loin. La sphère est immense, on ferait mieux suivre le serpentin de près si on ne veut pas perdre sa trace. En effet. Ah là, on peut enfin conduire. Puis sur elle pour voir la carte marine. Elle rame ta carte marine. Ah ah, SO rouge marque ta position, construis régulièrement la carte pour pas te perdre. Elle est certes peu détaillée pour l'heure, mais je la compléterai au fil de tes découvertes. Il y a une île que j'ai déjà marquée en vêtement, l'île du crâne. D'accord. Donc l'île du crâne recèle un secret qui pourrait être lié au... Ah ah, bien, commençons par là. Ah oui, du coup c'est trop bien, maintenant on peut plonger. Bah du coup, attends, parce qu'il y a un bloops là-bas. Juste ici. Ah non, attendez. Ah non, il est un peu plus loin, merde. Mais je m'en fous qu'on n'y voyait rien. Il y a un bloops ici. Ah, ou alors faut peut-être d'abord dégager le brouillard et après on pourra le combattre. Enfin, je suppose que c'est le combattre. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? C'est moi où ce rocher flotte un peu. Ah non, c'est à cause de l'effet, ok. Never mind, j'ai rien dit. C'est par là.
Enfin, ce qui paraît. Ah, mais attendez, on peut plonger. Donc, à tous les coups, faut plonger pour voir le blues. Oui, je vais absolument battre le blues d'abord. Et je ferai la suite après. Voilà. Elle serait plongée dans cet épais brouillard poule mouillée. Je ouais. Sais pas, ça n'a absolument aucun sens. Genre, c'est du brouillard, mec. Genre, tu t'en fous. On va sous l'eau. Donc, on s'en fout. Bon, bref. Ah ah, trouvé. Ah, il y a des crowbeurs. Il y a aussi un sniffite marchand. Brrr. Dis, t'as pas l'impression que ce carane lugubre nous observe? Il nous voit, j'en suis sûr. Mais putain, mais c'est une gamine. Tu ne saurais rester sourd à l'appel de l'aventure. Il te faut dévoiler les secrets de cette île. Et toi, tu restes là. D'accord. Si tu veux, mec. Ah non, tu vas pas me saouler, toi. J'ai trop rebouché, tu viendras me péter les couilles après, d'accord? Ah mais putain. Et voilà. Ah donc les one shot pas. Enfin on les tue pas hors de combat quoi. Alors du coup c'est quoi leur nom français? Parce que Crowber c'est leur nom anglais. Alors. Easy. Et voilà. Et voilà. Alors, c'est des corbeques. Quel nom de merde. Quel nom de merde. Corbeck, putain. Oh là là. 460. Magnifique. Magnifique. On approche bientôt les 30 minutes, donc on va bientôt arrêter. Non mais, laisse-moi taper ça. Ah, voilà. Ah ah, 100% des blocs frappés, magnifique. Fleur de glace brillante, je n'en avais pas. Alors du coup, ça c'est quoi? C'est pour Fax voyager ou c'est un café? J'espère que c'est un café. Oh oui, c'est un café. Et bien, ce sera une parfaite conclusion pour notre épisode. Enfin, on n'a pas de sauvegarde, quoi, mais... Ah, le pauvre... Clic, 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 clic. Bienvenue, entre donc. Eh bien, j'entre donc. Bienvenue au café des œufs secs. Que veux-tu boire? Oh, bah, un mocha morbide, s'il te plaît. Ah, ouais, les cuillères, c'est un os. C'est quoi ton problème, Mario? Ta cuillère va pas. Je vais te prêter la mienne. Le café ici est très bon. Oh, c'est trop mignon. Je ne suis pas les cuillères, elles doivent resservir. Et votre copain Scolarex va bien? Il a fallu là depuis tout à l'heure. Qu'a fait que j'essaie, il doit être froid maintenant. Eh, laisse-le tranquille, patron. Il s'avise toute la nuit à patrouiller, il est épuisé. Il était de nuit, le pauvre. Qu'il se repose à son réveil, je lui servirai un bon café tout chaud. C'est trop mignon. Et trop triste à la fois. Oh putain. Merci les gars. Alors lui, patron aussi était très fort en patrouille, mais autrefois, mais il n'aime pas trop parler du bon vieux temps. Mais c'est qui le patron du coup? Odeur de café. Que c'est lui le patron, c'est juste qu'il dort. Il était de nuit, c'est tout. Ah putain.
C'est chiant que je peux pas frapper les patrons de café. Enfin, ceux qui sont au comptoir. Genre, je sais pas, j'ai bien envie de leur péter la gueule, moi aussi. Je sais pas, c'est devenu une tradition de... Aïe, putain, ah, ma putain de hanche. C'est devenu une tradition de péter la gueule de tout ce qui bouge dans ce jeu. Enfin, bon. Alors, du coup, est-ce qu'on peut pas passer comme ça? Oh, mais si. On peut. On le peut. Ah. Oh, merde. Non, franchement, j'ai pas envie de combattre un Goomba. Je suis désolé, les gars, mais non. Je vais fuir, je vais fuir. J'ai vraiment pas envie de combattre ça. Enfin, je sais pas, c'est ça, quoi. C'est des Goombas. Bref. Ah, il manque un bout, là. Ah, il manque un bout. Ici, il faudrait peut-être que ça remonte. Non. Bon, bref, si tu veux. Ici, il manque du feu aussi. Ici, on peut pas y accéder. Il faut très probablement aller de l'autre côté. Bien. Tant pis. Tant pis. Allons donc voir ce qu'il y a de l'autre côté. En espérant qu'il y ait un point de sauvegarde bientôt. Salut. Qualité, efficacité, qualité. Bon, j'ai compris, t'as des accessoires. Alors, minuteur or et podomètre à pièces. Merci de n'y pas avec ceci. Ah ah, bah ça m'intéresse alors. Du coup, c'est pour... voir des genre 10 000 pièces. Ouais, mais ça coûte genre 14 000. Donc c'est pas très rentable. Oh, enfin, remarque. Ah, mais j'ai pile... Enfin... Oh, et puis allez, de toute façon, je vais me refaire, donc bon, je me referai rapidement, donc ça va. Allez, let's go. Jusqu'ici, zéro pas. Oula. J'aimerais bien finir ma vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Magnifique. Ah, ça enlève... Ah, d'accord. C'est genre une catégorie, ça. Ok, du coup, on peut en avoir genre que deux par catégorie, je vois. Bah, on va faire ça. Attends. Bah, on va faire ça. Et puis, comme ça, ça, on le rééquipera, mais que quand on sera dans les trucs en question. On va juste à faire ça infiniment, indéfiniment, et puis voilà. Ça marchera très bien. Ah, tous les trous bouchés, magnifique. Ah, du coup, faut que j'arrête de sauter parce que du coup, ça m'enlève des pas. Ça me considère pas comme des pas. La distance parcourue en saut, du coup, je pense. Mm-hmm. Ah, d'accord. Ah, ok, j'ai pigé. J'ai pigé, je pense qu'il faut genre une symétrie. Et alors, je vais les combattre par contre. Et merde. Il me manque un. Mal joué. Bien. Ça les a pas butés. Oh là là. La manette est grince. Est-ce que ça au moins ça les tuera? Ceux-là. Je suis un excellent en plus, allez. Même pas. Oh là là. Oh là là. En plus du coup j'ai même plus de partenaire. 5 5 Ouah, ça fait au moins 15 de dégâts. J'en suis tout horrifié. C'est juste pas possible.
Ah, ils ont pas mal de résistance ceux-là, hein, putain. Bon. Alors attendez, parce que du coup, vu que j'ai appris qu'on pouvait se rééquiper. Je fais ça maintenant. Comme ça, j'ai pas besoin de ramer la mort en chargeant l'autre menu, là. Voilà. Bon, j'aimerais finir ma vidéo, s'il vous plaît. Un point de sauvegarde, ok. Bien. Alors, du coup, ici, je pense que c'est comme ça. Et comme ça. Voilà. Pour faire exactement symétrie par rapport à l'autre côté. Ah. Mm-hmm. Merde, on peut pas les casser celle-là. Mini trésor, je suppose. Ouais, voilà, c'était un peu évident. Ah, sous-marin marino, magnifique. 100% des mini trésors trouvés, magnifique, magnifique, magnifique. Ah oui. Ah d'accord. Ah, en effet. C'était un Todd ange. Mm-hmm. Cherche le paradis, rassemble les trois orbes sur l'île du carreau. Référence à Color Splash encore. C'est une grosse référence à Color Splash. Parce que dans Color Splash, il y a un objet pour comme ça. Pareil dans Sticker Stars d'ailleurs. Et le Core Splash était exactement utilisé pareil en fait. Genre vraiment dans l'eau, comme ça, en arrière-plan, à droite, etc. Ouais, c'est complètement dissipé, c'est dingue. Bah oui, forcément, les fameux ventilateurs géants. Cherche, ce ne sera pas en vain. Suis-moi, prends ma main, le paradis n'est pas loin. Oh, c'est bon, t'arrêtes avec ta religion là. Oh, ça a l'air amusant. Bon, faut les trois orbes sur l'île du carreau, ça. Mais la priorité, c'est les serpentins violets. Bah oui, bah c'est une quête secondaire quoi. Donc on la fera plus tard. On la fera plus tard, ta quête secondaire. Je veux juste sauvegarder moi. On a combien de pas du coup? Non. Please, merci. 162. Bah ça, c'est rapide. Rien que si je fais ça là. J'en ai fait combien? 70. Ouais, ça se fait rapidement. En vrai, je passe comme ça pendant quelques temps. Attends. Je vais faire un test. 192. 192. Ouais, c'est en distance, pas en animation de pas en fait. Oui. Oui. Prenons donc le large. Sauvegarde. Ah ah. Je dois pouvoir arrêter là. Hop. Ah, je suis brouillard en fin de semaine, on va maintenant pouvoir explorer toute la vaste mer. Ah, c'est un portail violet là, suivons-le. Suivons-le. Bah, pas trop besoin là. Hein. Bien, la fortune se sourit. Non. Ding dong bling blong. Rendez-vous au quai de Toddville pour découvrir le nouveau moteur de votre bateau. Ah oui, du coup, comme ça, on va pouvoir améliorer sa vitesse, genre. Voilà, sauvegarde. Comme ça, sauvegarde ici. Et du coup, moi, je vous dis merci à tous d'avoir regardé les vidéos. N'hésitez pas à la liker, à la partager. 30 épisodes déjà. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine. À plus.